Oula, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a encore eu une petite secousse. Moi, ça fonctionne. C'est la seule fois où j'ai mis tremblement de terre, ça n'avait jamais marché. Puis il va falloir qu'on commence à vouloir bouger. Alors, tu vas me faire un beau petit pipouze. Faudra pas que tu t'éloignes trop parce que tu vas remanger. Et si tu manges, bah, ça veut dire aussi que tu devras retourner aux toilettes. En tout cas, ça la réveille pas, elle a un sacré sommeil. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Tu vas me faire une toile confiante. On a la thune, on a 1500, on peut faire 15 toiles. D'affilée. Et je pense qu'au bout de 15 toiles... on va être riche. Et ça, ta toile confiante? Eh ben dis donc. Eh ben là, ça se passe bien. Pourquoi elle doit pas pisser? I don't understand. Allez, 84 simflous. On peut vendre sur Plopsy. En plus. Faut qu'on aille voler les gens. Tout à fait. C'est pour ça, pour l'instant, je la fais travailler un petit peu sa toile. Et déjà niveau 2. Et des écouteurs en plus. Mais c'est merveilleux. Mais donnez-moi des écouteurs. Mais j'arrête pas de les vendre. C'est les troisièmes qu'on a. Elle est bien sûr qu'elle aime la peinture, c'est vous qui l'avez décidé. Oh là là, quelle magnifique toile. 140, et ben voilà, on gagne déjà. On gagne déjà de la thune. Tu vas manger, tu vas... c'est laquelle? C'est celle-là qui vaut cher. Faire se reproduire avec grenouille-feuille. Oh, une nouvelle à 10. Eh ben dis donc, quel bonheur. Tu vas me faire une toile classique à 100, vas-y, vas-y. On est toujours à 1500 simflous, c'est merveilleux. Pour l'instant, bon bah ça pousse tranquille, hein, on va pas, voilà. Mais elle pourra récolter ce qu'il y a autour de chez elle pour se faire un petit casse-dalle. Ah, aïe aïe aïe, ouï 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 ouï. Alors on a le son mais en décalé, donc ça c'est un peu bête. Ah là là, me fait pipi dans l'eau, Ginette. Bon, remarque, t'es à côté de la douche, c'est pas grave. Deuxième fois. Bon, on n'est pas au niveau de notre chère... comment elle s'appelait déjà? Van Braguette. Notre chère Van Braguette qui s'est pissée dessus plusieurs fois quand même. Hein. Ouais, Janine, tu finis de te doucher? Il y avait du taf. Hein. Hop. Une grenouille cœur à pois. Elle est à combien la grenouille cœur à pois? Oh, on l'avait déjà. Celle qui vaut 30. Bah, on va la faire se reproduire avec elle-même, car ça nous fait de la thune. Un boulon. Yes. Qui aime les boulons dans le chat? Oh, un poisson os. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est un vrai poisson, en plus. 37 simflous, le machin. C'est trop bien. Et si on l'empaille, est-ce que ça coûte plus cher après? Ça, ce serait à tester. Ce serait cool. En vrai, ce serait cool. Vas-y, cherche des coquillages encore. C'est pas grave, personne n'a vu que t'étais dépissé dessus. Un cœur de Soulani, mais oui, 810 simflous. Quel bonheur. Allez, on va aller bouger un petit peu. On va bouger, on va aller voir s'il y a des trucs à piquer chez les amis. Chez les amis. Chez les connaissances. Donc, on va aller... Ah ben, attendez, c'est chez elle qu'on a pas, on a discuté? Mêlée? Parce qu'on va pas aller chez des gens qu'on connaît pas. Hein. On va aller chez des gens qu'on connaît. Je sais plus. Nalani, elle habite nulle part? On va aller là, alors. Ah ben, Nalani. C'est bien elle, hein, Mêlée. Ok, super. Parce qu'on va pas aller chez les gens qu'on connaît pas. On va se rajouter cette petite chose-là. Si on connaît pas, on peut pas aller chez eux pour épiquer des trucs. Parce que oui, elle est klepto. Ça rajoute un peu de fun. Entre l'argent que ça va nous procurer et peut-être des gains de décoration et de meubles, peut-être. On sait pas, hein, ça peut être très sympa. Salut. Mais... bonjour. Ah oh, punaise, c'est ça ta maison Oh, regardez l'écran télé, si on pouvait le piquer. Bon, pour l'instant, on est encore vierge de vol.
Sinon, tu fais quoi comme boulot? Se renseigner sur les goûts en décoration. Pourquoi elle est triste? Mais c'est bon, tu discutes là. Tu vas faire connaissance. Oh, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Oh, on va pouvoir se servir des pinchos. Aïe, 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 mais quel bonheur, on va pouvoir se servir de la bouffe. Merci beaucoup. C'est très sympa. Ordonner à Alika de faire le ménage, mais bien sûr. Se renseigner sur les goûts musicaux. Raconter une histoire incroyable du cul. Après, elles se connaissent pas tant que ça. Hein. On va se calmer sur la malice. Tu vas mentir sur ta carrière. Il aime pas la musique rétro. Oh, t'as vraiment des goûts de marde. La meuf, elle est en petit maillot de bain tranquille, quoi. Chez les gens. Tu vas raconter des... Voilà, on devient potes. On va faire un peu de malice. On va inviter à une fausse soirée. Et puis... on va s'enthousiasmer, tout ça. Et inviter à une fausse soirée également. Et puis après, on va essayer de piquer quelque chose. Alors, ils ont pas une très très grande maison, mais... Aïe, 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 ici quand même. Oh, il y a deux lits, il y a de la place pour... Il y a tout le confort ici. Qu'est-ce qu'on pourrait piquer? On peut pas piquer ça. Qu'est-ce qu'on peut piquer? Une chaise? Un lavabo? C'est trop encore, on peut pas faire pipi. Des rideaux? Non, on peut pas piquer les rideaux. C'est forcément de la petite décoration, en fait. Genre ça. Mais même pas, on peut même pas le piquer. La plante, on peut pas. On peut que piquer le plat. On peut piquer le plat. On va pas aller loin avec ça. La plante. Non, c'est tout est trop cher pour elle encore. Hein. On peut pas piquer. Hein. Ils ont des trucs, mais on peut pas les piquer. Bon, elle va aller aux toilettes, elle a bien raison. Un petit peu de confort, les cheveux sont chauds. Bon, c'est un peu triste parce qu'on est dans cette maison, mais on peut rien voir. On va faire un petit peu de malice encore. On va se renseigner sur les biens précieux. Remarque s'ils se barrent tous les deux. Non mais c'est bien. Viens là. Et tu vas essayer de voler. Parce que s'ils se font pas voir, ils sont pas là, je veux dire. Oui. Oui. On a réussi à piquer le plat de bouffe. C'était la seule chose qu'on pouvait voler. La la la. Salut, comment tu vas? Il y avait à manger là? Non, ça me dit rien. Les rideaux, on peut pas. Il y a pas grand chose. Hein. En vrai, c'est un peu tendu. Hein. On n'est pas tombé sur la bonne Sims qui avait des trucs à nous laisser voler. On peut même pas prendre une. Non, on peut rien faire. On peut rien faire. Oh là là, je suis tristesse. Est-ce qu'on a tout vu sur les murs? Il y a peut-être des décorations. Même ça, on peut même pas le piquer quoi. Non, on peut rien. On peut rien voler. Tu vas parler et tu vas un peu bosser ta malice. Imiter des sirènes, j'espère que c'en est pas une. Et prétendre être un génie criminel. Voilà. Entre deux, on raconte des vannes, tout ça, machin. Est-ce qu'on va pouvoir... inspirer une confiance injustifiée? Je pense qu'elle va être très forte en malice, hein, petite. Et fais semblant d'être sympa. T'invites à une fausse soirée. Qu'est-ce que tu peux faire? Discuter à la théorie des couleurs. Ça lui fait travailler aussi sa... À la malice, on bosse, hein? On va déjà être au niveau 3. Ce serait cool de partir de là en ayant le niveau 3. Comme si on pouvait repiquer un truc. Ils sont pas riches! Bah ouais, mais bon. On a rencontré que elle et Nalani. Et Nalani, elle a pas de maison, donc... Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Allez. Oui, regardez! Niveau 3, niveau 3! Pas encore, mais... On a 96%, ça devrait aller. Ce sera effectivement difficile de voler une SDF. Bah, il lui reste encore un petit pagne. Voilà, niveau 3. On peut rien voler, c'est vraiment pas de bol. Je suis tristesse, moi. Comment on va meubler notre maison? À la loyale? On a bouffé de la... On a pris de la bouffe. Qui dit si le temps qu'on rentre chez nous, elle sera plus bonne. Allez, on va rentrer, c'est pas grave. Ah bah tiens! Salut toi, Makoa, kalakalakalakalaka. Oh là là, vous avez besoin de vous tourner autour comme ça? Tu habites dans le coin?
Non, comme ça. Et t'habites une grande maison peut-être? Ah, c'est la grande maison que j'ai vue là? Ah non, c'est pas celle-là. Ah. Elle le regarde, elle dit il est mignon ce petit. Renseigne-toi sur les biens précieux, on sait jamais. Allez, fais-toi un ami hein, avant d'aller le voler. Parce que là, bon, on a juste piqué de la bouffe qui est déjà avariée dans nos trucs. Donc... Ouais, ça va. Ah bah d'accord, il a des pop direct. Ambitieux, actif et enfant de l'océan, très bien. Elle va finir sa toile et puis après elle va nous faire un gros dodo. Parce que elle est plutôt en bonne forme, hein. Par ça, on a tout remonté. Regardez-moi cette bouffe incroyable qui reste 2 heures avant qu'elle soit pourrie. On va donc vendre ça, parce que ça coûte pas. On va revendre le cœur de Solani, on va revendre notre poisson. Hein. Ça, et les écouteurs. Et on en a pour 1107. C'est trop facile. On est à 195 simflouz pour la toile. On est pas mal. Ça sent la future veuve noire. Ah, on pourrait faire ça. Ça dépend si on la joue la solo ou si on la joue en mode vraiment... Bon, il y a quelques petits problèmes sur le terrain des fois, hein, pas de soucis. Hein. Ça arrive. Vas-y, tu vas commencer par vendre. Ensuite, tu vas aller faire pipi. Voilà. Et 2763 simflouz. C'est trop facile. C'est trop facile. Bon, on est loin, je sais. On est très très loin encore du million. Mais ça reste quand même très facile pour l'instant de gagner quelques petits sous. Hein. Tu commences à zéro, mais tu peux facilement te faire une baraque. Hein. Ouh. Oh, ouais. N'aie pas peur, Jamie. Ouais. On a des œufs de dinosaures partout dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut pas essayer de les toucher, on est d'accord? Ah, sinon elle va être toute cramée, la pauvre bichette. Quand c'est froid, je crois que tu peux les vendre. Ben oui. On va attendre que ça flamboie plus. Et regardez, du coup, vengeance de la nature. May s'est sentie incroyablement bien en cueillant fièrement des fruits et légumes avant de croquer dedans. Décimer et dévorer les vindicatifs. Les vindicatifs végétaux ont utilisé leur dernière arme en semant le chaos dans son système digestif. Pourvu que May ait réussi à faire fonctionner ses toilettes hors réseau. Bah écoute, pour l'instant, elle va faire. Elle va attraper des grenouilles. Les yeux de Soulani. Non, j'ai dit des grenouilles. Grenouilles cœur à poil. C'est de la merde les grenouilles que tu me chopes là en fait. Les yeux de Soulani, les doigts de Soulani, le cœur de Soulani et ta mère elle est aussi. Alors, sélectionnez un volcanique en objet décoratif qui ne se désagrégera pas lors du prochain événement volcanique. Vas-y, viens faire ça. J'ai oublié qu'elle avait de la bouffe sur elle en fait. Vas-y, partage. Mais non, mais il te fallait les manger, garçon. Mais qu'est-ce que c'est fou. Mais tu fais n'importe quoi. Viens ici, déjà. Bah, tu vas ouvrir ça, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, un saphir. Ouf. Ouf. Une roche calcaire. Très bien. Alors, créer un objet décoratif. Mais pourquoi tu le fais pas quand je te demande, Georgette? Ah non, parce que elle peut pas, c'est pas une action. D'accord, j'ai compris. Une émeraude. Mondénite. En fait, c'est pas... Ça, c'est juste faire... ok. Non, non, mais j'avais jamais joué avec ça. Hein. Un alcron. Tu vas voir, moi, si t'as un alcron. Mais... Je me fais avoir à chaque fois. Une pyrite. Ça, j'en ai une, déjà. Saphir. Ah bah, et si avec ça on n'est pas riche à millions. Une pyrite, une roche calcaire, une opale de feu. Bah dis donc. Tu vas faire quoi? Ils ont besoin de quoi toutes ces petites plantes là? Rien. Ils ont besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi. Comme je n'ai envie de personne. Compétence 3. De la peinture. Malheureusement, elle va devoir manger. Oh là 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 là. 84.
plus 24, plus 2 fois 18, plus 2 fois 10, oh, plus 2 fois 10, plus 2 fois 80, plus 2 fois 50, plus 70. Oui, je suis la nuit. Ah non! Il y a 90 aussi. Ouais, c'est bien, on va. Ah, et des roches qu'on va ouvrir. 464. Oh, c'est décevant, hein! Oh, ben mince alors, tu vas extraire le fossile, casser et. Griffe de rapace. Bon, c'est toujours mieux que rien. Baisse sterling. Mais non, bah attends, tu rigoles, non? Il n'y a pas de petites économies, hein, madame. Mesdames et madame. Alors, 118, tu le vends. T'as faim? Bah écoute, on va manger alors. Mange des ananas. Qui aime les ananas dans le chat? Qui ose aimer l'ananas? J'ai un scoop, il y a une fête géniale sur les falaises en ce moment même, ça te tente d'y aller? On y va ou on n'y va pas? On y va pour rencontrer des gens à dépouiller. Exactement! Combien je lui enlève de sa petite cagnotte? Parce qu'on dit que si on bougeait, on faisait enlever un peu de sous. Comme ça, on a le trajet, le métro, le bus. Tout ce que vous voulez, quoi. Combien on fait de moins par trajet? À chaque fois que je change de monde. Par exemple, à Soulani, bah, c'est un peu comme le Northern Lady. Quand on reste en Soulani, qu'importe quel quartier, on ne paye pas. Mais dès qu'on s'en va dans un autre monde, on paye. On va partir sur 50, alors. C'est bon, j'ai payé mon taxi. Oh, des gens! Bonjour, madame. Bonjour, madame, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez des appartements bien remplis. Oh, Katrina Caliente. Oh, Vladimir Kotick. Oui. De la thune. En voiture, voilà. Tu vois que moi, je ne vois que ça. De la thune que tu as. Oh là 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 là, trop de gens. Elle est magnifique en plus, avec sa... Voilà. Sa petite tenue, se dénuder. Non, ça va aller. Tu vas mettre ta tenue de fête? Oh oui! Ils veulent tous apprendre à la connaître, regardez. Ils sont là, il fait... C'est qui cette jeune femme? Si étrange. De quel monde vient-elle? Oh, Nancy Plenosas, on aime ton nom, on aime ton nom. On va te venir choper tes petits millions. C'est pas comme ça? Alors, est-ce qu'elle a, elle a enjoy ou pas là? Enjoy Phoenix ou pas là? Regarde, il y a plein de gens là. Nancy! Oh la vache, les nichons! Je n'aurais point imaginé. Bizarrement, la meuf botoxée avec des nichons aussi gros que mon cul. On se dit, hein, y a un petit peu de bistouri là-dessous, et qui dit bistouri dit... Par contre, elle pue, hein. Mais je veux que tu parles! Raconte une blague sur les tabernacles. Renseigne-toi sur les biens précieux de Nancy. Ah, lui, il est riche aussi, non? Victor Feng. Je peux pas lui dire bonjour? Merde, ça va être fini. Parle à Nancy. Je te jure, on va aller la voir après. Oh non, j'ai juste 2-3 millions de côté là, sur mon portefeuille, mais ça va. Ah bah d'accord. C'est bien, tu t'es mis de côté. Renseigne-toi sur ses loisirs, tu vas l'inviter. Oh. Tu veux te joindre à nous, petit Vlad? Elle aime pas les jeux vidéo. Oh. Bon, sinon... Ah, il y avait un bar. J'ai même pas fait gaffe. Il y a peut-être des trucs à récolter? Ah, fraisier. On n'est pas resté assez longtemps pour ça. Hein. On peut aller se baigner là-dedans. On peut aller voir le monstre?
Est-ce qu'il sort la nuit, le monstre? Je sais plus où on le voit, dans quel sens on le voit. C'est la seule fois où je l'ai vu, en fait, c'était avec Iowa, j'avais regardé au pif, et puis paf, il est arrivé direct. Elle en peut plus, elle pue, elle est fatiguée, ça va encore, mais elle a la dalle. Terrible. Si tu pouvais trouver un truc cool. Une roche calcaire. Un plant de jacinthe. Paolo Roca. Non, t'es moche. Enfin, on s'en fout s'ils sont beaux, hein. C'est seulement s'ils sont riches qui nous intéressent. Parce que ce serait mieux quand même beau et riche, non? Bah, la soirée dansante est censée être finie, mais... Oh, tiens! Elisa, saute-moi au cou! La soirée dansante qui n'en finit plus. Oh, oui, ça y est, on peut récolter des fraises. Oh, oui, des fraises et des chaussettes! Vous savez ce que ça veut dire? On va pouvoir planter des choses en rentrant à la maison. Oh, les champis, on va les bouffer, les champis. Mais oui! Eh, va récolter! Ils sont bien sympas les gens, mais en vrai ils vont pas te donner d'argent donc... Oh là là, je suis contente! Ça nous a coûté 50 simflouz, mais là... on va se faire plaisir, hein. On a récolté des trucs. Tiens, il y en a encore là. Les champis aussi. Les champis, c'est super, on aime bien ça! Ou pas, moi j'aime pas ça, c'est dégueulasse comme la nana! Et Joaquin le chien, il s'en va. Mais quoi? Oh bah alors Agathe, t'as la dentelle! Beaucoup trop fatiguée, bah, pour ça, son âge, hein, les nuits blanches, ça lui réussit plus. Hein. Pourquoi t'étais par terre? T'espérais un plan cul ou quoi? Mais moi je suis désolée, mais quand j'ai un DJ, il va jamais jusque tard comme ça. Hein. C'est de l'arnaque. Bon, il est un peu 8h30 du matin. Est-ce que les poches sont pleines? Ça va, on a de quoi faire. Hein. Non, je mets P, moi. D'ailleurs, ça fait pause, tiens, P. La lettre P, ça fait pause sur votre clavier. Ça y est, vous le saurez. On a fait le plein de gens. Là, ça va être merveilleux. Elle se douche, elle se repose. Tout ci, tout ça. Alors, tu vas pouvoir prendre une douche. On va planter, oui, quelques fraises, comme ça. Et des jacinthes. Là, il y a l'air à le manger et le non-manger. D'accord. Là, tu te laves. Ok. T'es buggé un peu, non? Ah non, non, elle se lave. J'ai rien dit. Elle se lave. En même temps, hein, quand il pleut et que vous êtes seul sur Terre, quasiment, qu'est-ce qui vous empêche de vous laver sous la flotte? Hein? Alors, là, c'est tout ordonné, tout bien comme il faut. Mais alors, ici, les fleurs, c'est mis n'importe quoi, hein. Tu vas tout arroser. Ah bah non. Finalement, tu vas pas tout arroser. Allez, hop, dodo. Pas trop longtemps non plus, parce que, ben... Allez, hop. Il est 15h. C'est pas grave, cette fin. On va aller manger chez les Plénosas. On va aller voir Nancy. Attends, 192 ah. Bah écoute, y a rien à récolter ici. C'est où qu'ils habitent? Willow Creek? Je sais même pas. Comme je les vire tout le temps, je sais jamais où ils habitent. Non, ils habitent pas là. Ça c'est les gothiques. Chez Oasis Spring. Les Plénosas.